Cette semaine à Scolaire le Monde, dans le cadre de la Journée du droit des femmes du 8 mars, nous voulions vous parler d'une grande dame qui a vécu dans notre région il y a plusieurs années. Il s'agit de Maud Abbott. Maud Abbott, une des premières femmes médecins, elle a vécu à Saint-André il y a 100 ans. Ça fait longtemps? Le Musée régional d'Argenteuil, avec l'historien Robert Simard en tête, a mis en ligne il y a quelques mois un site internet très complet racontant la vie de cette dame. L'exposition virtuelle rend hommage à une femme d'exception. Une femme médecin dans un monde d'hommes, une femme attachante qui avait cœur à sa famille et à sa communauté. Maud Abbott, ce qu'on surnommait la tornade bienfaisante, a su, par son engagement, repousser ses limites du savoir en médecine et marquer notre histoire. Sur le site internet Histoire de chez nous du Musée numérique du Canada, on peut y voir des capsules vidéo faites par des élèves de Scolaire le Monde il y a 4 ans reconstituant l'histoire de Maud Abbott. Elles seront peut-être utiles dans certains départements. Mais on ne peut imaginer lorsque le travail deviendra difficile comment elles vont réagir. Si le patient est dans un état critique, prendra-t-elle une demi-heure pour ajuster sa coiffure et son corset? Voilà certainement des commentaires entendus lorsque Maud Abbott accède à la faculté de médecine de l'Université Bishop à Montréal en 1890. Seule femme de sa classe, elle doit faire face aux préjugés de l'époque. Déterminée, elle obtient son diplôme en 1894. Scientifique rigoureuse, elle est reconnue internationalement pour ses recherches médicales sur les maladies cardiaques congénitales. C'est aussi la petite cousine de John Abbott qui fut le troisième premier ministre de l'histoire du Canada. Nous vous invitons fortement à aller consulter le site internet sur Maud Abbott fait par le Musée régional d'Argenteuil à cette adresse. Parlez-nous de votre projet concernant Maud Abbott. C'est un projet qu'on a fait avec le Musée virtuel du Canada, mais aussi en collaboration avec l'école alternative ici à l'école Saint-Julien, avec la classe de 5e et 6e année de Marc-Antoine Bergeron. Hein? Et puis, ce projet-là, c'était de raconter l'histoire de Maud Abbott. Maud Abbott, qui est une petite fille de Saint-André, hein, née à Saint-André d'Argenteuil, et qui a grandi au village. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment mettre Maud en scène, dans son village, pendant son enfance, voir où elle allait, marcher sur les pas de Maud Abbott. De l'arrivée de Joseph Abbott en 1818, lorsqu'il établit la première église d'Argenteuil, soit l'église Anglican Christ Church à Saint-André-Est, en passant par son fils John Joseph Cadwell Abbott, qui devient le troisième premier ministre du Canada en 1891, jusqu'à Maud Abbott, qui devient en 1894 une des premières femmes médecins du Canada et du Québec. Cette famille a laissé un héritage indéniable sur l'histoire du Canada. Pourquoi Maud Abbott vous intéresse-t-elle? Parce que c'est une pionnière.
ça m'intéresse. Moi, je suis féministe, même si Maud ne l'était pas. Moi, ça m'intéresse de voir une femme qui a bravé les obstacles pour arriver à accomplir quelque chose, puis elle le fait de manière magistrale. Elle a avancé la médecine, surtout la cardiologie pour les enfants. Elle a été reconnue mondialement, puis j'avais beaucoup envie que d'autres enfants voient cette femme-là comme un modèle à suivre, que ce soit un exemple pour eux. Donc, c'est pour ça que je voulais la mettre dans un livre pour qu'elle reste dans nos mémoires. Maud et sa sœur Alice, orphelines dès leur plus jeune âge, sont élevées par leur grand-mère maternelle, France-Marie Smith Abbott, dans le village de Saint-Andréas. Les femmes, dans ce temps-là, c'était élevé pour être, pour servir. Elles étaient élevées pour servir les hommes, principalement, parce que dans ces années-là, on n'avait pas encore connu la libération de la femme. Et les femmes étaient soumises. C'était en grande partie aussi... en partie un peu à cause de la religion. Maud reçoit de sa grand-mère une éducation exemplaire et hérite d'un sens profond du devoir envers sa communauté. Sa grand-mère a toujours encouragé Maud à poursuivre ses rêves et ses convictions. C'est elle qui l'a encouragée, entre autres, à persévérer pour entreprendre une carrière en médecine. Ici, on est sur le terrain de l'église Christ Church qui avait été construite en 1819 par le grand-oncle de Maud, mais par le père de John Abbott, Joseph Abbott. C'est lui qui avait fait construire cette église-là en 1819, et il était accompagné de qui? Du grand-père de Maud, William Abbott, qui était le frère de Joseph. Hein? Et William Abbott est enterré ici. Les filles, qu'elles aillent à l'école, c'était déjà exceptionnel. Il fallait qu'elles se battent. C'était grâce à des femmes comme Madame Abbott, qu'aujourd'hui, vous conservez vos noms quand vous vous mariez. Vous avez le droit d'avoir une voiture, vous avez le droit d'avoir une maison, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, vous avez le droit d'avoir un compte de banque. Parlez-nous de votre partenariat avec les élèves de l'école alternative. Avec l'école alternative, ce qui a été le fun, c'est que les élèves ont participé puis ont joué leur rôle. Il y en a une qui a joué le rôle de Maud, d'autres ont joué le rôle de ses amis. Et puis, on est allé voir la maison de Maud, on a filmé, on s'est intéressé, on a construit le texte, on a construit la trame narrative de chacune de ces trois capsules vidéo-là qui font partie de l'exposition. Alors, quand on a présenté ça à l'équipe du Musée virtuel canadien, ils ont adoré cet engagement-là des jeunes élèves de l'école alternative dans le projet d'exposition. Ça fait quelque chose de vraiment particulier qu'on ne voit pas ailleurs, là, cette collaboration-là là, qui s'établit entre un musée et une classe dans une école primaire. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus de Maud Abbott? Oh, moi, je dirais que c'est sa grande persévérance. Hein? Grandir dans un monde où tu n'as pas le droit de faire des choses. Puis aller cogner aux portes, puis de manière pratiquement obstinée, puis réussir à atteindre ton rêve, aller au bout de ce rêve-là que tu as de la petite enfance, à dire, moi, je vais devenir médecin, puis même si tu ne me permets pas de devenir médecin, je vais devenir médecin pareil, je vais aller cogner à la bonne porte, puis il va y avoir une ouverture. Bien, cette grande persévérance-là, moi, je te dirais que c'est la chose qui m'a le plus fasciné chez Maud. Maud quitte Saint-André en 1884 pour poursuivre ses études secondaires. Elle est enrôlée à l'Académie privée des demoiselles Simmer et Smith de Montréal. Par la suite, en 1886, elle s'inscrit au baccalauréat en art offert par le Collège royal Victoria, affilié à la Faculté des arts de l'Université McGill. Elle obtient son baccalauréat en 1889. Malgré son excellence académique, l'Université McGill refuse de l'admettre à la faculté de médecine, strictement réservée aux hommes. Après de multiples péripéties et démarches, Maud est admise à la faculté de médecine de l'Université Bishop à Montréal. Elle est la seule femme de sa cohorte. Première de classe, elle obtient son doctorat en médecine en 1894.
devenant ainsi, malgré toutes les difficultés rencontrées, une des premières femmes médecins au Canada. Alors, on est ici devant le Musée régional d'Argenteuil. Le bâtiment a été construit autour de 1830, entre 1830 et 1838, par les gens de la Royal Staff Corps qui étaient ici puis qui participaient à la construction du canal de Carillon. Ce bâtiment-là a été transformé en musée au moment où Maud Abbott et le Dr. Wales ont créé la Société historique du comté d'Argenteuil et par la suite, ils se sont cherchés un espace pour faire un musée et ils ont eu accès à ce bâtiment-là qui est un bâtiment vraiment extraordinaire. Accompagnée de sa sœur Alice, Maud fait ses études supérieures en Europe. Elle y rencontre ses mentors et se consacre à l'étude des conditions de cardiopathie infantile. De retour en 1897 à l'âge de 28 ans, elle ouvre son cabinet de pratique médicale privée tout près de l'Université McGill. Elle poursuit ses recherches sur les lésions cardiaques à l'hôpital Royal Victoria. Alors là, ici, on voit un costume que portait un pasteur anglican au 19e siècle. C'est le même type de costume que portait le grand-père de Maud Abbott, William Abbott. Alors, quand il faisait son service à l'église Christ Church, parce que lui, il était pasteur anglican à l'église Christ Church pendant pratiquement toute la première moitié du 19e siècle, jusqu'à sa mort, il portait un costume de ce type-là. À partir de 1896, Maud est embauchée à titre de conservatrice adjointe au musée de pathologie de l'Université McGill. Son rêve de travailler à McGill devient réalité. Les progrès que les recherches médicales de Maud ont permis de faire ont ouvert la voie à des avancées médicales sans précédent, allant jusqu'à permettre les premières opérations visant à corriger les problèmes de maladies cardiaques congénitales. Maud est aussi une auteure scientifique de renommée internationale. Sa plus grande contribution demeure, sans l'ombre d'un doute, son atlas sur les maladies cardiaques congénitales publié en 1936. Qu'est-ce que ça vous a demandé comme travail de faire ce beau projet-là? Oh, beaucoup de recherches. Vraiment beaucoup de recherches. Pratiquement 3 années là, de travail, parce qu'on a commencé le projet en 2018. Et on a fouillé dans nos archives, on est allé au musée médical de l'Université McGill, on a eu des collaborateurs de ce côté-là. Ensuite de ça, il y a eu toute l'écriture, la construction d'un récit, parce qu'une exposition, c'est comme écrire un livre. Là. C'est à peu près la même chose. Vous allez voir, l'exposition est très volumineuse. Là. On a beaucoup de pages, beaucoup d'éléments d'archives. Et en même temps, c'est d'arriver avec un récit qui est nouveau, puis qui va intéresser les gens qu'on veut attirer, nous, au musée, parce qu'on a une mission, puis notre mission, c'est vraiment d'intéresser les familles et les jeunes enfants à s'intéresser à l'histoire de notre communauté. Alors, Maud Abbott fait partie de cette grande histoire-là de notre communauté à nous, dans Argenteuil. À l'annonce de la retraite, Maud poursuit son travail de scientifique en écrivant l'histoire de sa communauté qu'elle publie de 1934 à 1936 sous forme d'article intitulé « Une histoire sociale de la paroisse de Saint-André dans le Montreal Churchman ». Animée par son devoir de mémoire, Maud est cofondatrice de la Société historique du comté d'Argenteuil en 1934. En 1938, la Société ouvre un musée de l'histoire des familles pionnières d'Argenteuil. Maud en est la conservatrice et y applique le système de classification qu'elle a développé au Musée médical de pathologie à McGill. Probablement inspirée du dévouement de sa grand-mère maternelle envers elle, Maud se fait un point d'honneur de prendre soin de sa sœur aînée Alice pendant de nombreuses années. Alice développera au début de l'âge adulte de graves problèmes de santé mentale. Maud s'assurera, et cela jusqu'au décès d'Alice en 1934, de son bien-être. Et Robert, t'avais expliqué là, que Maud Abbott, là, elle était humble, hein? Tu sais, c'était un docteur, puis qu'elle était là pour les familles, pour les enfants. Puis quand elle a eu sa sépulture, bien, elle a décidé d'avoir la plus petite croix
dans l'espace. Parce qu'il faut que tu comprennes que sa grand-mère était décédée, son grand-père était décédé, donc eux, ils ont la grande croix qui est là. La croix moyenne qui est là, c'est la sœur de Maud Abbott qui est enterrée là. Et la petite croix, c'est celle de Maud. Et elle avait spécifiquement demandé à ne pas avoir la plus grosse croix dans le cimetière. Maud décède subitement en 1940 des suites d'un accident cardiovasculaire. Elle est alors âgée de 70 ans. Pour honorer sa mémoire et ses travaux scientifiques, elle reçoit de multiples hommages du monde scientifique, de ses collègues, de son alma mater et de la communauté de Saint-André. En 1993, elle est nommée personnage historique par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. En 1994, elle est intronisée au temple de la renommée médicale canadienne et en 2000, Post-Canada imprime un timbre en son honneur. En 2015, la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil reconnaît Maud Abbott comme le personnage historique et la communauté procède à l'aménagement d'un espace commémoratif au cimetière Christchurch aux abords de la sépulture de Maud. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez Maud Abbott? Sa force de travail, sa force de caractère, c'est une passionnée. Elle en est un peu candide parce que pour elle, tout ce qui est important, c'est la recherche. Puis des fois, elle peut être distraite. Elle a eu des accidents sur la route parce qu'elle était tellement préoccupée par ce qu'elle avait dans sa tête qu'elle fonçait dans la route puis elle se faisait frapper. C'est arrivé à 3 reprises. Donc, c'est ça, moi, ce qui m'impressionne, c'est sa grande capacité intellectuelle, sa force de travail, puis aussi beaucoup sa grande générosité. Elle a eu énormément d'amis. Il y avait énormément de personnes qui voulaient dire du bien d'elle quand elle est morte parce qu'elle a marqué beaucoup les gens. Ils l'appelaient la tornade bienveillante. C'est parce qu'elle était généreuse. Avez-vous d'autres projets pour la région? Oui, avec le musée, on travaille avec nos personnages. Hein? Puis moi, je me promène avec Samuel de Champlain, puis je raconte l'histoire du premier contact hein, entre Samuel de Champlain et les Amérindiens. On a ça qui est en branle. On a une autre exposition qui s'en vient sur la grande famille Abbott, où là, on a 50 fiches qui vont être mises en ligne avec le ministère de la Culture du Québec sur un site où là, on présente les artefacts de la famille Abbott. Et puis moi, ben écoute, je suis grand communicateur, conteur, et en même temps, là, j'ai comme l'intention éventuellement d'arriver à écrire un livre sur l'histoire d'Argenteuil. Voilà. Carnaval, Mardi Gras, Carnaval, à Québec, c'est tout un festival. Chantons tous le joyeux carnaval. Des hauteurs de Québec. Envoyé par Lucifer pour envoyer son monde. Envoyé par Lucifer pour envoyer son monde. Envoyé par Lucifer pour envoyer son monde. Hey! Au jambon, un gros jambon. Donc, la cyberintimidation, ben, c'est tout simplement de l'intimidation, mais sur les médias sociaux. Fait qu'on s'entend que ça peut être des insultes, ça peut être des menaces, ça peut être aussi, je dirais, du harcèlement, ça peut être différentes choses, mais c'est tout ce qui se passe sur le monde de l'Internet, cyberintimidation. Est-ce que ça arrive souvent des enquêtes sur la cyberintimidation chez les jeunes? Hey, là, je te pose la question, selon toi.
Ça arrive-tu souvent? Ouais. C'est pas si souvent que ça, parce que souvent, ça va se régler à l'école. En général, il y a beaucoup de professeurs et de personnel scolaire qui vont travailler très fort, des TES entre autres, pour éviter que ça se rende justement à la cyber-intimidation. Parce que déjà en partant, la personne qui se fait intimider a une chose très importante à faire. Ça s'appelle mettre ses limites. Et puis, quand on est capable de mettre ses limites, souvent l'intimidation va arrêter. Quand ça se poursuit, là, ça démontre vraiment justement qu'on a une intention de nuire à une personne. Alors, on va se rendre à la plainte au niveau policier. Et puis, ça arrive de temps en temps qu'on se rend jusqu'à la cyber-intimidation. Mais avant ça, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes qui peuvent être faites pour éviter que ça arrive jusque-là. Pourquoi certains jeunes font de la cyber-intimidation? Bien, en général, la cyber-intimidation est plus facile que l'intimidation parce que la cyber, souvent, t'es chez toi, t'es plus à l'aise, t'es plus intime, et puis ça donne du courage des fois à certaines personnes qui n'auraient pas en temps normal devant toi. Fait que ça laisse croire que c'est plus facile de dire des méchantes choses puis de faire de la cyber-intimidation quand t'es tout seul. Mais par contre, quand tu as la personne devant toi, des fois, c'est plus difficile, ça prend plus de courage pour aller dire les choses qu'on lui a envoyées sur Internet. Fait que pourquoi ils font? Bonne question. Est-ce que c'est une manière, dans le fond, de soulager sa conscience, de se faire justice pour de se venger? Ça peut être différentes raisons qui font en sorte qu'on fait de la cyber-intimidation. Est-ce que c'est difficile de compléter une enquête et de trouver le responsable? Ben non, c'est même pas difficile. C'est ça qui est drôle. La cyber-intimidation, ça laisse des traces. Dès que tu embarques sur ton ordinateur, que tu envoies quelque chose de ton compte, que ce soit un faux compte, peu importe, on finit toujours par démasquer, dans le fond, l'initiateur de cette attaque-là sur Internet. Il y a tout le temps quelqu'un qui va être là pour parler. On dit qu'il n'y a jamais de crime impuni. On finit toujours par savoir la vérité. Alors, on n'y échappe pas. La cyber-intimidation, c'est plus difficile, dans le fond, de cacher ses preuves. On les fait, on laisse des traces partout. Ce qu'on écrit sur Internet, ça se passe après combien de temps? si je te dis jamais, ça te surprend-tu? Non. Non. Parce qu'on n'a pas le contrôle. Hein. Dès qu'on envoie quelque chose sur Internet, on perd complètement le contrôle de ce qu'on envoie. Ça veut dire que si tu l'envoies à ton ami, par la suite, tu lui dis « Envoie-le pas », mais ton ami l'envoie, bien déjà en partant, tu as perdu le contrôle de tout ça. Parce que elle, ton ami, va peut-être l'envoyer à d'autres amis, puis là, bien, ça peut partir très loin. Fait que tout ce qu'on envoie sur Internet, c'est permanent, malheureusement. Quelle information il est mieux de ne pas donner sur Internet? Ben moi, je dirais que l'information de ne pas donner sur Internet, c'est toutes les informations personnelles qui permettent soit là, de savoir où est-ce que tu vis, t'identifier, faire un faux compte avec tes identités. Fait que tout ce qui peut donner comme munition là, à la personne qui pourrait t'attaquer. On parle aussi également, là, ce qui serait bon de ne pas dévoiler sur Internet, mais on parlait de photos intimes. C'est sûr que des photos intimes, c'est des munitions là, de choix pour certaines personnes. Alors, tout ce qui est trop intime, ce qui est personnel, gardez ça pour vous. Vivez la vie réelle. Si je dénigre une personne sur Internet et que je dis ensuite que c'est une blague, est-ce que c'est de l'intimidation? Oui, parce que dans le fond, tu peux pas t'en sortir en disant que c'est juste une blague. Hein. Ton intention était là quand même. On dit toujours que dans une blague, il y a quand même un 10% de vérité. Fait qu'il faut s'assumer. On lance cette blague-là, elle fait des répercussions. Ben regarde, faut vivre avec les conséquences. Qu'est-ce qu'on peut faire si on vit de la cyber-intimidation? Ben, premièrement, si tu vis de la cyber-intimidation, comme on a dit, c'était de mettre ses limites, OK? Et de un, si tu es capable et tu as le courage de le faire, mets tes limites. Si tu es incapable et ça dépasse dans le fond tout ce que tu pourrais faire, ben parle-en à quelqu'un en qui tu as confiance. Il y a beaucoup de gens autour de toi, que ce soit dans le fond un professeur, un ami, un parent, pas ton chien, pas ton chat. Ils vont te comprendre, mais ils ne pourront pas t'aider, OK, malheureusement. Eux, ils vont t'accompagner par contre. Mais c'est important de prendre le temps d'en parler à quelqu'un en qui tu as confiance. Pourquoi avez-vous décidé de devenir policière? Très bonne question. quand j'étais au primaire, à la même époque que vous autres, là, ben pas époque, mais à la même étape, on va dire, moi j'étais la personne qui prenait la défense de pas mal tout ce qui se passait. Ce que je voyais, que je trouvais injuste, j'aimais pas ça, ça me dérangeait. Donc je me suis dit que ce métier-là, c'était quelque chose qui allait pouvoir me permettre justement de m'épanouir.
Puis effectivement, tout ce qui est injuste, ben, ça me dérange encore toujours autant. Fait que je me sens vraiment plus utile en faisant cette fonction-là. J'aime beaucoup aussi le fait que c'est diversifié, c'est pas dans un bureau tout le temps assis. Il y a beaucoup d'adrénaline, c'est tout le temps un défi. Chaque situation est unique, hein, c'est pas toutes les mêmes chicanes qui sont pareilles, les personnes sont différentes. Fait qu'il faut faire appel au système, plutôt à la capacité d'adaptation, puis à la débrouillardise régulièrement. Fait que ça, c'est tout le temps un nouveau défi, fait que je trouve que c'est pas un métier qui fait en sorte que tu vas t'ennuyer. Quels sont les avantages et inconvénients d'être une femme policière? Les avantages, c'est que... Je vais aller dans le passé. Dans le passé, il n'y en avait pas de femmes policières. Okay? C'était juste des gars. Et ils les engageaient à la tonne. Fait que dans le fond, il fallait qu'ils soient grands, costauds, puis qu'ils fassent peur un peu pour être engagés. Il y avait vraiment une charte au niveau des grandeurs. À un moment donné, ils se sont dit, bon, ben peut-être qu'on n'a pas besoin juste des armoires à glace. Puis ils ont baissé un peu leurs standards. Puis là, oups, les premières femmes ont commencé à rentrer. C'était des grandes femmes. Il y avait quand même le gabarit. Mais les femmes, l'avantage, c'est qu'il y avait la facilité de discuter. Puis de baisser, tu sais, le niveau là, de stress et puis la tension dans les situations. Et puis effectivement, c'est ce qu'on a vu, c'est que ça a comme devenu une police un petit peu plus, je dirais, moins brutale, qui va prendre plus le temps de jaser, puis il va avoir beaucoup moins d'altercations physiques avec la venue des femmes. Fait que je dirais que c'est un des gros avantages. Je dénigre pas le fait qu'il y a des garçons qui ont cette facilité-là également. Il y en a qui sont excellents pour la négociation et pour parler, qui font des interventions merveilleuses. C'est la force de l'équipe. J'ai vu une vidéo que ça disait qu'à toutes les fois que les policiers ils vont, mettons, voir un auto, ben ils tapent sur la valise en arrière, puis je voulais savoir pourquoi. Ça, dans le fond, c'est une manière de vérifier s'il n'y a pas soit quelqu'un à l'intérieur du coffre pour signifier, ou aussi pour vérifier là, certains indices. Fait que c'est peut-être, dans le fond, là, je sais pas c'est quoi le but. Ça peut être aussi pour être sûr que le coffre est bien clenché, puis qu'il n'y a personne qui va te sortir de là par surprise. Fait que ça peut être deux choses. Mais en général, tu vas voir que le policier, quand il s'approche du véhicule, il ne s'en va pas directement devant la porte. Il va être plus en biais retrait pour que la personne se tourne vraiment pour voir. Fait qu'il y a un peu être en avantage pour pas que la personne qui est fâchée ouvre sa porte puis que le policier se ramasse dans le chemin. Quand on est sur les grosses autoroutes, on va aller intercepter, mais de l'autre côté, souvent, on va aller du côté passager pour la sécurité de tout le monde. Fait que c'est toute une technique, puis il y a des cours qui sont faits pour ça. Spécial, pareil, on pense pas, hein?